T'as vu, tu passes plus tôt que d'habitude. Bah, t'as pas besoin d'attendre. Je suis très contente, je suis ravie. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ces carottes? Alors, ces carottes, si d'habitude, les carottes, on les mange soit râpées, on les mange soit au four. Enfin, il y a plein de techniques, ou alors même cuites à l'eau. Là, je te propose des rostis. Des rostis, c'est des petites galettes de pommes de terre d'habitude. Heureusement, je t'ai dit ça en répète. Heureusement, je t'ai tout dit en mange. Non, j'adore. Bon, des petites galettes de pommes de terre exactement, écrasées. Exactement, des petits paillassons de pommes de terre. En fait, c'est la pomme de terre râpée. Et là, on va faire des carottes. Carottes râpées, tu vas voir. D'abord, alors, les ingrédients. Les ingrédients. On a besoin de carottes, d'œufs, d'échalotes, de fécules de maïs, de cumin, de miel et enfin de vinaigre de cidre. D'accord. Alors, tu as déjà râpé tes carottes? J'ai commencé par râper mes carottes et je conserve la fane. Là, j'ai pris les carottes nouvelles. Ouais. Je conserve la fane pour mon astuce anti-gaspi de la fin de l'émission. Tu vas voir. D'accord. Là, on a commencé, donc j'ai commencé par râper les carottes, je les ai épluchées, je les ai râpées à la main, oui, parce que je voulais... Ouais, non, mais si, j'ai vraiment râpé comme ça, parce que je voulais que ça soit des gros morceaux de carottes, tu vois, je voulais pas que ça soit un râpé trop fin, sinon après, ça se délite trop, la galette ne se tiendrait pas. C'est le cas des robots, parfois, c'est que ça fait très très fin. Exactement, c'est la raison pour laquelle j'aime pas trop robots. Ouais. Alors là, c'est un peu spartial, j'avoue, mais moi, à la maison, j'ai le petit moulin, tu sais, à l'ancienne, là, tu mets les carottes, tu tournes, et t'as vraiment de la bonne carotte râpée. Donc là, j'ai commencé par râper les carottes, je vais ajouter un œuf battu. Pour le liant. Exactement, Thomas. Un œuf battu en omelette. J'en mets pas trop non plus. Tu vois, là, c'est bien lié. Tu vas pouvoir ajouter un petit peu de fécule. Oui, et là, exactement, c'est pour lier aussi. Hein. Ça, pas trop. Juste, tu vois, juste le poudrer un petit peu. D'accord. Et en fait, la fécule va apporter, tu sais, le côté amidonné de la pomme de terre. Ah oui, là, qui va manquer à la carotte. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu rajouter juste une petite pomme de terre râpée. Mais là, je voulais vraiment, comme le dossier d'aujourd'hui, c'était uniquement la carotte, je voulais rester sur la thématique carotte. Une petite pincée de cumin, parce que le cumin et ça la carotte, bien. Ça fonctionne super bien. Tiens, tu peux mettre un petit peu de sel, un peu de poivre, s'il te plaît, Thomas. Un petit peu de fleur de sel, un petit peu de poivre. Et là, on est bon pour les rostis, tu vois, pas plus. Ça y est, il n'y a plus qu'à les mettre à la poêle. Il n'y a plus qu'à mettre à la poêle. La poêle est déjà chaude avec un petit filet d'huile. Oui, mais justement, on veut que ça saisisse, tu vois, d'un seul coup. Et alors, pour les galettes, hein, très, très simplement, on fait des petits paillassons comme ceci. Et si vous voulez quelque chose de très, très régulier, vous utilisez un emporte-pièce rond. Tu vois, l'emporte-pièce, tu le mettrais comme ça et tu verses ta préparation dans l'emporte-pièce. D'accord. Et là, tu auras des galettes bien régulières. Mais je trouve ça sympa, moi, des petites galettes comme ça, un petit peu irrégulières, qui vont cuire donc de chaque côté à peu près 2 petites minutes. Parce que c'est tout, c'est super rapide. Parce qu'on ne veut pas non plus une purée de carottes, tu vois. Même si elles sont encore un petit peu fermes, c'est bon. Pas grave. Donc là, on va les laisser, je vais baisser un petit peu. Et on va préparer la petite sauce qui va accompagner. Une petite sauce qui accompagne. Il va accompagner une petite salade, tu vois, une petite salade frisée avec des petits raisins secs. Et ça va être une sauce à base de miel, de vinaigre de cidre, j'adore ça, exactement. Ah, vinaigre de cidre, miel. Attends, je prends une fourchette, hop là. Et quoi d'autre? Vinaigre de cidre et huile d'olive. D'accord, c'est tout. Donc, tout simplement. Donc, Thomas, moi, je verse l'huile d'olive. Alors, tu vas pouvoir... Le miel. Ouais, le miel. Voilà. Voilà, et puis, tu vas pouvoir mettre la moitié, là, du vinaigre de cidre. Ouais. Voilà, comme ceci. On émulsionne, très simplement, un petit peu de fleur de sel. C'est le poivre, non? Ouais, j'aime bien, t'es bien là pour les assaisonnements. Ouais, parfait. J'adore ça. Et tiens, regarde, tu vas me goûter ça. C'est très très simple, mais c'est super bon. C'est pas mal, hein. Délicieux. Et donc, tu vois, avec les raisins secs. Oui, ça ira très bien avec. Les raisins secs, la salade, et même, tu sais ce qu'on va. On va aller encore plus loin. Un peu de cumin. On va ajouter un petit peu de cumin. Comme ça, ça sera. Je n'osais pas te le dire. Miel cumin. Mais j'en étais sûre, je le sentais. Et vous pouvez retrouver tout le détail de cette recette sur la page Facebook de La Quotidienne. Moi, je vais continuer mes galettes.